semblerait que chaque personne ait un sosie quelque part sur la planète. Ce qui est vrai pour vous et moi, l'est donc aussi pour les célébrités. Les footballeurs aussi ont donc leur double, et parmi eux, il y a Neymar. Découvrons ensemble qui est Aegon Oliver, le sosie de Neymar qui affole les réseaux sociaux. Neymar est un joueur unique. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il ne laisse personne indifférent. Ses dribbles, son inventivité, son talent incomparable font de lui l'héritier des Pelé, Zico ou Ronaldinho. Il a aussi toutes les qualités qui font le folklore des Brésiliens en dehors du terrain. Des pas de danse endiablés, un look de dingue et surtout un amour inconditionnel de la fête. Le visage du football do Brasil, c'est lui. Enfin, il n'y a pas que lui à vrai dire. Aegon Oliver est passé grâce à Neymar du statut d'illustre inconnu à celui de véritable star sur les réseaux sociaux. Aegon est brésilien, il a le même âge que son joueur favori et ne mesure que 2 cm de plus. Fan du club de Corinthians, il gagnait sa vie en travaillant comme serveur dans des restaurants et en lavant des motos. Un jour, des motards fans de Santos, le premier club pro de Neymar, ont chambré Aegon sur sa ressemblance avec la star brésilienne. La blague est devenue plus sérieuse quand son patron lui a glissé l'idée de devenir sosie professionnel. « Mon chef m'a conseillé d'en faire mon métier. On a fait quelques photos et on les a envoyées à une agence de sosie. 3 jours plus tard, on me demandait de me produire pour Globo. Et j'ai travaillé avec eux pendant 5 ans. » Aegon saute donc le pas et quitte son travail pour se donner à fond dans sa nouvelle vie de sosie. Chaque détail compte. L'allure, les vêtements, la coiffure et bien sûr, les tatouages. Il est difficile de trouver un coin de peau sans encre sur le corps du numéro 10 parisien. Neymar compte pas moins d'une 30aine de tatouages. En vrai professionnel, Aegon a décidé de les reproduire à l'identique. Lors de la Coupe du Monde 2014, j'ai perdu des contrats précisément parce que je n'avais pas les mêmes tatouages que lui. Je suis fan de ça. Je suis un sosie pro, alors j'ai décidé de me faire les mêmes. J'ai pratiquement tous les tatouages qu'il a. Et une chose est certaine, l'illusion fonctionne à merveille. Il y a quelques mois, Aegon a fait une sortie dans un centre commercial avec 4 amis bien baraqués, déguisés en garde du corps. Ce fut l'émeute. Toutes les personnes présentes se sont ruées sur celui qu'ils pensaient être Neymar. Des groupies en larmes, des demandes de selfies de partout, Aegon a bien berné tout le monde. L'ancien serveur a su profiter de la montée en puissance des réseaux sociaux et donc de l'importance de l'apparence dans notre société. Avant, je chargeais 150$ pour une performance VIP pendant des soirées d'anniversaire. Les tarifs ont changé avec les années. Aujourd'hui, je reçois entre 450 et 525$ pour 3 stories sur Instagram. Et pour les événements, je demande maintenant entre 1000 et 1200$ pour rester 3 ou 4 heures dans la soirée. Aegon Oliver compte plus d'un demi-million de followers sur Instagram. Les réseaux sociaux, c'est son gagne-pain. Je travaille et gagne ma vie comme ça. Je travaille pour plusieurs plateformes comme TikTok ou Instagram, je suis embauché par des entrepreneurs pour promouvoir des marques, et je suis aussi cascadeur. J'ai enregistré plus de 20 publicités avec Neymar. Au fil des rencontres avec l'ancien Barcelonais, les deux ont construit une belle relation d'amitié professionnelle. Quand ils sont l'un à côté de l'autre, les gens doivent voir double. Les followers d'Aegon ont eux aussi bien halluciné, quand ils ont vu une vidéo incroyable sur les réseaux de l'ami de Neymar. Oliver a réuni tous ses amis ressemblant à des stars actuelles ou passées du ballon rond, une sorte d'Avengers des sosies. Ensemble, ils ont rejoué le fameux hymne de la Ligue des Champions. Au casting, Neymar au ukulélé, Mo Salah qui fait du tam-tam sur la coupe aux grandes oreilles, Ronnie, Marcelo et même Pelé qui danse. Une vidéo géniale qui a fait le buzz et qui a encore fait grandir la réputation d'Aegon. Alors si jamais un jour vous croisez la superstar du PSG, faites bien attention au moment de lui demander votre selfie. Il se peut que vous vous fassiez piéger par son double, notre ami Aegon Oliver. Et au MyGoal, on est certain d'avoir rencontré le vrai Neymar. Cliquez ici pour découvrir notre interview exclusive Mbappé, Messi ou Neymar. À la prochaine sur au MyGoal.